Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Super Mario Maker 2. Alors, vous avez peut-être remarqué que l'activité sur la chaîne a un petit peu ralenti. Je vous l'avais pas encore dit en ce début du mois d'août, mais j'ai décidé, on va dire pour ce mois, de ralentir un petit peu l'activité parce que bon, vous êtes aussi en vacances, même si vous avez rien à faire, il faut sortir, prendre l'air, tout ça, il faut vous faire plaisir. Et bah moi aussi en fait, enfin, je vais pas forcément prendre l'air, mais je vais penser plus à moi, me faire plaisir en faisant d'autres choses, hein, il n'y a pas toujours que les vidéos, hein, vous savez. Et donc voilà, donc là, comptez à environ entre 3 et 4 vidéos par semaine, hein, parce que, bon, avant ce rythme que j'impose là, on était quand même à 6-7 vidéos par semaine. Ça faisait quasiment une vidéo par jour, et pour moi, enfin, en fait, c'est quand même assez éprouvant, mine de rien, de sortir tout ça. Mais bon, après, voilà, je fais toujours ça avec plaisir, tranquille. Mais pour éviter la redondance, la lassitude, tout ça, eh bien, je veux varier un petit peu le rythme. 3-4 vidéos par jour, enfin, non, pas par jour, par semaine, ça fera du bien. Gédéon, il sera d'accord avec moi. Mais t'as encore un pouce bleu! Non, arrête, toi! Arrête, s'il te plaît. Mais... Oui, il faut que Nico, il se repose aussi, parce que, vous savez, c'est pas toujours facile pour lui, hein. Il se donne quand même pour ses vidéos, et puis voilà. Allez, bah j'espère que vous le comprendrez quand même, hein. Ah, mais t'es un amour, Gédéon. Allez, repose-toi. Donc, on va continuer le mode histoire, et on va pas perdre plus de temps, hein, parce que on a déjà perdu du temps avec cette intro. Donc du coup, on peut faire l'aile est. On peut faire l'aile est, on peut commencer les travaux. Ok. Mais d'ailleurs, attendez. Faut que je regarde un truc. On a commencé le canon de l'aile est. Mais du coup, si je lui reparle... Ah ouais, en fait... Ouais, voilà, je peux débloquer tout de suite tout. Et c'est ce que je vais faire, hein, en fait. Bon, pas, j'aurai pas assez, par contre. Mais au moins, vous voyez, ça sera fait. Ça sera fait. Hop là, voilà. On est tranquille comme ça. T'inquiète pas, Toadette, je ne relâche rien. Et on a assez en plus. Ah non, on n'a pas assez. Ah, c'est dommage. Comme ça, au moins, les coups de marteau iront plus vite. Parce que... En fait, j'avais pas débloqué les coups de marteau, tout simplement. Bon. Alors, bon, je sais que vous serez sûrement pas nombreux à... Voilà, j'ai passé à regarder ce mode histoire, mais bon. Alors, du coup, il a 18 nouvelles missions pour nous, le petit Toad. Donc, alors, on en était rendu à la 43e mission, dans les ténèbres, difficulté 3 étoiles. Alors, j'ai fait un stage où il fait tout noir, faut arriver au bout avec juste des petites loupiottes, hein, ouais, alors, ben, bonne chance. Ok, c'est le charpentier expérimenté qui nous dit ça. On est parti, on est déjà à 4 minutes, hein, donc on perd plus de temps. Hein. Mais il fallait que je fasse cette... petite intro, hein. Ok. Alors. Putain. Bon, après, le mode histoire, c'est certes le mode pas le plus passionnant, mais j'ai envie de faire tout à 100%. Enfin, ouais, entre guillemets, 100%. Donc là, ouais. On est d'accord, il faut sauter. Mais on le voit mal quand même, hein. Par contre, c'est assez marrant, hein. Ah, mais je suis bête, il faut suivre le P, en fait. Il nous éclaire le chemin, comme ça. Voilà. Ah, et hop. On fait attention. Et là, on continue. Attention. On continue à droite. Hop, 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 hop. Eh, hey, vous avez vu comme c'est fourbe?
On va réactiver ça. Ok, checkpoint. C'est pas mal. Oh, il y avait un truc là. Je peux pas le récupérer. Ok, il faut aller sur les pots. Voilà. Bon, on va se baisser. Ah ouais, mais par contre, attendez. Ah bah voilà. Ok, je me disais, mais où il est le on-off? Eh ben, il est là. Non! Je vous ai regardé et j'ai pas été attentif. Le con! On peut le dire. Non, mais tais-toi, Luigi. Tais-toi. Non, mais il est insupportable, hein. Insupportable, ce Luigi. Bon, du coup, il faut refaire le tour. Hop là. Et on va à droite. Oh putain, j'ai encore failli oublier de me baisser. Ok. Voilà. Ok. Alors là. Pour récupérer cette pièce, je ne sais pas vraiment, hein. Attendez. Je peux aller là. Ok, c'est bon. Ne panique pas, Linko, ce nœud. À mon avis, il fallait activer ça. Je suis pas sûr, mais... Ouais, il fallait. Ok, bah on est arrivé à la fin. On va essayer d'avoir la vie. Merde, mais... Putain, j'étais pas sûr de moi. Et du coup, je suis pas allé jusqu'au bout. Bah bravo, hein. Bon... Au moins, c'est pas grave, on va débloquer le toit. Et c'est très bien. Voilà. Ouais, voilà, ça fait 3 coups de marteau en même temps. Et regardez, en fait, le pourcentage augmente très très vite. C'est ça le truc. Mais attendez, en fait... Ouais. Ok, voilà, on a commencé le corps du logis... Et c'est très bien comme ça. Et ok, on continue du coup. Ah, et vous entendez, il y a des percussions maintenant, la musique elle a changé. Je rêve pas, hein. Voici un petit stage fort simple, élaboré par mes soins, rien de bien complexe, vraiment il vous suffit de ramasser 40 pièces et d'atteindre l'arrivée. Méfiez-vous des billes-bols, ok, c'est parti. Sous Super Mario World. Ok, on a 100 secondes. Alors. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah, mais c'est tout simple. Enfin, je parle pas trop vite, voilà. Hein. Bah c'est bon, j'ai déjà la condition. On va s'assurer d'avoir le haut du mât. Voilà! 50 sur 40. Et on a 60 pièces. Très très bien. Comme fait Mario. Ok, ben on est bien là, on est bien. Et ouais, et du coup, regardez le pourcentage du château. Mais en fait, là... C'est possible qu'on... Non, mais regardez, ça avance de plein de pourcentages. Oh, Serwen a essayé Mario Minish versus Bowser. C'est un niveau que j'ai créé, que je vous présenterai. Hein. Non, je voulais pas parler à toi. Alors, coup de chaud. Et vous connaissez la nouvelle tendance qui fait fureur dans les salles de sport qui claquent ? La course sur lave. Si vous voulez brûler des calories, ne cherchez pas plus loin. Artiste numéro 1. Mais du coup, on n'a plus de pièces à dépenser, là. On est d'accord, c'est ça ? Bon, enfin bref. Mais du coup, il se peut qu'on finisse le mode histoire dès cet épisode, en fait, c'est ce qui est incroyable. Mais en fait, quoi qu'il arrive, je pouvais pas le finir avant parce que j'avais pas assez de pièces, donc voilà. Mais en fait, je pense que ouais. Alors, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui prend des risques. Ah, ça c'est intelligent.
Ça, c'est un petit peu moins intelligent, hein, quand même. Bon, petite ellipse. Bon, je suis mort tout bêtement ici. Fallait faire ça. Hop, hop. Je veux trop me précipiter, c'est incroyable. Ah là 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 là, mon dieu. Arrête, Luigi. Bon, cette fois-ci, on fait pas le con, hein. Mon dieu. Allez, hop, voilà, tu fais ça. Eh, j'ai quand même 100 pièces. J'ai réussi à avoir une vie, quoi. Oula, ça va être chaud ici, non? Hop, 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 je vais pas me laisser avoir. Ok. Ok. Ouais, c'est pas facile. Putain. J'ai failli me faire avoir. C'est pas facile, hein. Ok. Donc là, hop. Wouh! Putain. Ok. Et c'est bon. 141 pièces. Alors là, on se fait la blinde de pièces, mais du coup, là, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien à construire. Enfin, on va voir, on va voir. En fait, je dis qu'on peut arriver bientôt à la fin, mais après ça, après tous les coups de marteau, peut-être que c'est pas encore fini, hein. Je m'emballe peut-être. Mais si on a la possibilité carrément de finir dans cet épisode, on le fait, hein. Ok, l'aile est, c'est fini. Parfait. Ok. Et voilà le travail. Allez, on se ramollit pas. Ouais, 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 bah t'inquiète pas. Du coup, j'ai fait les portes de l'aile est. C'est ça, hein. Mais, et si je rentre là-dedans, du coup? Putain, il bosse d'arrache-pied, hein. Ah là 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 là. Oh! Ok, qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est de ça? Rou, rou, nos chemins se croisent à nouveau. Ah! Rou, rou, j'ai une autre mission à vous soumettre. Ah bah tiens! Collecte de pièces sur forteresse volante déserte. Ah bah écoutez, on va faire ça, hein. Donc, ouais. Vous voulez un autre défi, roux? Essayez de ramasser 50 pièces roux en vous frayant un chemin à travers les bilboles roux. Les bilboles rousses? Non, je dis n'importe quoi. Vous pouvez vaincre les bilboles en leur sautant dessus, mais attention, vous vous intéressez. Collecte de pièces sur forteresse déserte. On en est à... Oh, ça va, un petit quart d'heure, même pas. Ah oui, il faut tout ramasser. Ok, ok, ok. Bah, on est parti, hein. Ouais. Attention, hein. On fait attention. Voilà. Ok. C'est pas hyper simple, mais... Enfin, ça va, hein. Il y a pire. Ok. Allez, on est à 15 sur 50. Hop, 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 hop. Eh. Non! Je me suis fait toucher. Bon, il faut pas se faire toucher une deuxième fois. Et ça devra aller. Ok. Ah oui, là... Ouh, attention ici. Wow. Ok. Ok, oh, attention. Hop là, on y va. Ah, les pièces, elles sont quand même bien placées, hein, ça fait plaisir. Bon, y a rien. Hop, 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 hop. Ouais, y a beaucoup de choses, hein. Si y'aurait pas une vie. Non. Bande de radins. Bande de radins. Putain, la vache. Ok, on a presque fini. Et on a fini. Ok, parfait. Bon, c'était rapide. Est-ce qu'on va avoir quelque chose en récompense? Bon, j'imagine que c'est juste pour la complétion, hein. Enfin, voilà, c'est... ok. Ok, l'aile ouest et l'aile est sont terminées.
C'est très très bien ça. Ah, et canon prêt. Ah, et le toit, il est prêt aussi. 73%. Ah ouais, ça va quand même bien plus vite là. Bah attendez, écoutez, on va prendre le canon. Parce qu'il me semble que ça fait quelque chose. Hein. Ah, ok, c'est juste pour des pièces. Si je parle au petit Todd là. Une fois que l'aile est aura un toit, elle sera terminée encore. Merci Mario. Ah bah de rien, hein, petit Todd. Alors, donc ah d'accord, ok, c'est juste des pièces comme ça, bon. Si je lui reparle. Ok, c'est tout, bon. Ouais, non mais attends, attends, attends. Et voilà le travail. Ouais, mais en fait, là, il faut que je continue, on est d'accord, hein. Ça avance, j'y ai mis tout mon cœur dans ces plans et voilà le résultat. C'est éblouissant. Ah, on est prêt à s'attaquer pour la suite. Ah, le toit, on peut. Parfait. Bon, on commence les travaux, hein. On perd plus de temps maintenant. Voilà. Moi, avant, je voulais faire mission par mission et après... Enfin, niveau par niveau plutôt et après, je regarde la Toadette et après... Mais maintenant, non. Et du coup, ouais, on est à 8 sur 17. Hein. Du coup, ça veut dire qu'on peut aller... Enfin, vous voyez quand même, là. 82, quoi. Et du coup, bah, on va continuer le château imprenable. Wouah, ce château grouille de tombe et de chompe. Aucune chance que Mario arrive à bout à moins qu'il ramasse des carapaces de bruit insectes avec B et qu'il incline. Ah ouais, d'accord, sur le crâne. Papa de garde l'anonymat, ok. Ah, ça fait un jeu de mots, ça fait un jeu de mots, je rêve. Papa de garde l'anonymat. Papa, en fait, il garde l'anonymat. Oh, ça a l'air sympa. Oula, attention. Ah, d'accord, ok. Sympa. Sympa. Ah, mais ces châteaux, ça me rappelle tellement... Ah, sympa. Ouais, enfin, sauf que en fait... Enfin, à la base, il fallait faire genre comme ça. Voilà. Et du coup, on peut faire ça. Intelligent, intelligent. Ah merde. Bon, bah voilà. J'ai repris une carapace de... Comment ils appellent ça? Bruit insecte. Alors par contre... Ah! J'ai ma petite idée. Allez! Attendez, il faut prendre de l'élan, je pense. Voilà. Bon, on attend qu'il... Faut l'attirer, en gros. Voilà. Et on peut passer. Bah, ça se passe bien. Ok, ok. Bon, je prends pas toutes les pièces. Comment je fais, là? Ah, j'ai compris. J'ai compris. En fait, il faut aller en haut et il faut aller ici. Voilà. Bon, c'était pas hyper difficile hein, à récupérer. Et on continue. Oh, oh, sympa. Viens ici. Oh bah, bah c'est parfait. Attendez, on va essayer de... Voilà. On récupère la pièce de 10. Waouh! Ah, il m'a fait peur. Ouais, est-ce qu'il fallait faire ça? Oula. J'en suis moins sûr. Bah, en fait, on a fini. Bon. Écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Et on en est à 20 minutes. Je sais pas, j'hésite à m'arrêter là du coup. Je vais voir, je vais voir. Ok, on remonte à 326. 77%, eh ça... Ça va, hein, ça augmente vite. 2 étoiles, bon allez, écoutez, on va faire un dernier niveau.
balai de bulles de lave. Nya, ha, ha, il vous plaît mon océan de bulles de lave? Dommage que je n'arrive plus à le traverser, involontaire peut-être. Si c'est une question d'argent, on peut s'arranger un match comme les autres. Allez, on est parti. Et on s'arrêtera là. Et après, en fait, là, dans un premier temps, je pense qu'on fera le mode... Enfin, on va essayer de finir le mode histoire. Et après, genre, je ferai une pause dans le mode histoire et on reprendra plus tard pour peut-être le terminer à 100% via des vidéos plus longues. Mais avec plus de montage aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, enfin, pour ceux qui regardent, hein, parce que bon, je sais que il n'y aura pas énormément de monde qui regarderont cette vidéo, mais je pense faire ça en tout cas. Bon, on suit le... On suit la lave. Eh oui, moi je veux récupérer les pièces. Et puis quoi encore? Donc on va récupérer la pièce de 10. Ah non, j'ai récupéré toutes les pièces, hein. On va dire que c'est le challenge de la vidéo. Waouh, waouh. Eh, ça donne des idées, hein, quand même, mine de rien. Genre tu vois ça et... Ouais. C'est marrant parce qu'on dirait que ça fait limite une chenille, alors que pas du tout. Hein. Bon, il faut faire bien attention. Mais bon, ça va, ça se passe sans trop de difficultés. Et puis je vous laisse apprécier cette musique un petit peu, hein, toute douce. Et voilà. Bon, on n'a pas eu les 10 pièces parce que j'étais trop haut. Mais c'est pas grave. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo de Super Mario Maker 2. Je la fais courte, et oui, c'est comme ça. Les vidéos paraîtront un petit peu moins, du coup, hein, comme vous l'avez compris. Mais quand même de manière relativement régulière, hein, bien sûr. Du coup, voilà, on a fini le corps de logis. Et tout le monde est content, on est à 80%. C'est très très bien. Du coup, on s'arrête ici. On verra ce que le Todd il a à nous dire parce qu'il a le point d'exclamation et on dirait qu'il a peur. C'était Linkos. Bye tout le monde!